Je vais me tourner la langue 20 fois. Mais Kim n'a pas perdu ce combat-là. Puis de la façon dont ça s'est fait, c'est encore pire. C'était aujourd'hui mon 74e combat de championnat du monde. Partout dans le monde, quand on se prépare à un combat de championnat du monde, la commission athlétique, les promoteurs, ils nous présentent les juges, puis on ne les choisit pas, les juges. Mais si on a une appréhension sur un juge, on le dit, puis par courtoisie, on l'enlève tout le temps. C'est tout le temps comme ça. C'était comme ça aussi avant, au Québec. Quand la régie a présenté les juges, j'ai juste dit, on ne veut pas Benoît Roussel. C'est le seul juge qu'on ne veut pas. Prenez n'importe qui, pas lui. On a des statistiques sur lui, puis c'est pas beau ce qu'on a. Mais c'est lui qu'on a pris. C'est lui qu'on a pris. Puis ils l'ont amené. Moi, j'avais, je ne sais pas ce que vous aviez, moi, j'étais tellement confiant. J'avais comme le juge de Chicago, 98-92, Kim a boxé responsable défensivement. Elle a été brillante, elle était rapide. Elle a touché plus souvent. Elle a contrôlé l'action. Je veux dire, de l'autre côté, là, il était découragé après le combat. Je ne sais pas si vous les avez vus sauter à l'annonce, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Je suis vraiment déçu. Déçu de notre régie, déçu du juge, qui a aussi eu 76-76 avec Marie-Pierre Houle. Mais je suis extrêmement fier de Kim Clavel. Je suis extrêmement fier de son équipe. Je les ai vus travailler. Ils ont fait une job parfaite. C'était beau de les voir ensemble. Kim, elle était concentrée, brillante, intelligente sur le ring. Elle ne s'est pas laissée emporter. Quand ça arrivait, disons qu'elle se faisait ramener assez rapidement par le coin, mais elle comprenait, elle s'ajustait. C'est sa plus belle performance en carrière. Le meilleur contrôle. Puis, pour moi, elle est la meilleure boxeuse de la division. Elle n'est juste pas championne. Daniel? Bien, c'est très difficile d'être... une chance qu'on a eu quelques minutes pour se calmer, parce que ce qu'on a ressenti après, c'est beaucoup de la colère. De la colère parce que, honnêtement, je suis... tellement, et toute l'équipe, on est tellement fiers de Kim. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le scénario de ce soir avait été pratiqué. La stratégie, ce que vous avez vu de Kim, intelligente, une défensive solide, une belle contre-attaque, une belle vitesse, un jab qui déstabilise. Tout, demandez-lui, a été répété et elle a tout fait ce soir. Tout fait et elle a gagné ce combat-là. Gagné. Quand on est dans un coin, on est sévère. Quand on est dans un coin, il y a des rondes qu'on n'est pas certain, on ne les gagne même pas, les rondes. 96-94, à la limite, en jugeant sévèrement, très sévèrement, aucun doute que Kim gagnait ce combat-là. Le dernier ronde, le dixième, était vraiment la résultante du combat. C'était enivrant et Kim a exploité toutes ses richesses, c'était de toute beauté. Si vous saviez comment nous, on est fiers et tellement déçus pour elle, pour tout ce qu'elle fait, pour tout son investissement. Quand tu dis qu'une personne a le dessin de cette fille-là, une personne de chez nous, on ne lui demande pas d'avoir du favoritisme, on lui demande d'être honnête, sincère et de juger. Et quand on fait face à l'injustice comme ça, c'est très frustrant. Mais moi, je vais juste finir en vous disant que cette athlète-là, elle est championne du monde, elle est championne unifiée, dans ma tête à moi, dans notre tête à nous, dans sa tête à elle, dans la tête à Yvon, et je suis certaine dans la tête de vous tous. Et tout ce qu'on a reçu jusqu'à présent, parce qu'il faut se faire convaincre, parce qu'on pense que peut-être qu'on n'a pas bien vu, il y a
personne qui voyait Bermudez gagnante dans toutes les personnes qui nous entourent. Alors, félicitations, Kim. Pour moi, tu es une championne unifiée. Je suis fière de toi. Plus fière que toi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est sûr que je suis en ce moment fâchée. Je suis déçue. Mais par contre, je suis tellement fière de ma performance. Tout ce que j'ai fait dans le ring ce soir, je l'ai pratiqué depuis 3 mois. Avec mes partenaires d'entraînement, avec Daniel, avec Stéphane, au gym, jour après jour après jour. Si vous saviez tout le travail qu'il y a en arrière d'un combat comme ça. Personnellement, c'était mon 19e combat, puis je pense que c'était mon plus stratégique, mon plus intelligent, mon plus... J'étais le plus discipliné défensivement. Puis de savoir qu'un juge de chez nous, quand mon promoteur Yvon Michel investit pour qu'on fasse ça chez nous, qu'on emmène la championne chez nous, puis c'est un juge de chez nous qui ne nous le donne pas, quand tout le monde nous le donne. Tu sais, des fois, ça arrive, un combat, je ne suis pas sûr, je pense pas que je l'ai. On doute. Là, dans le coin, quand j'ai eu fini mon 10e round, j'ai levé mon bras, j'étais certaine qu'on l'avait. Je le sentais. J'ai pas de blessure. Oui, je me suis fait toucher parfois. Oui, des fois, elle finissait fort, mais on ne gagne pas un round en 10 secondes. J'ai boxé, j'ai été en contrôle tout le long. Je suis fière de ma performance, mais je suis frustrée parce que c'est l'avenir. C'est, en ce moment, j'aurais 2 ceintures, je suis championne du monde unifiée. J'aurais peut-être une revanche contre Plata qui s'en vient. Mon rêve, c'est d'avoir les 4 ceintures, puis c'est retardé à cause du mauvais jugement d'une personne. Puis j'enlève rien à Bermudez. Elle cogne dur, elle est bonne, elle a des longs bras, mais techniquement, stratégiquement, j'ai beaucoup plus d'outils qu'elle, puis je l'ai démontré ce soir. I have a pretty good feeling. Yes. You guys think you won the fight. I said that I think I have more tools than her. I'm more strategic than her. I was in control all of the fight. Sometimes she finished strong the last 10 seconds, but you can't win fight with 10 seconds. I had good discipline, good guard. I had maybe 100 right hand just here, not here, here. And every time, sometimes I made little mistakes. I was walking, moving on the bad side, but they said, go to the jab, and I did it. I did everything, and I won that fight. I'm sure at 100%, I won that fucking fight. You're pretty good when you're mad, eh? In English? Yes. Way harder. I think, Cole, you saw the fight against Yuka Savali. Yeah. I think I beat her more clearly than Yuka Savali. Yeah, I watched the fight this week. Yeah. And it was closer than the scorecard said. Yeah. Mm. It's a gift. They just have the gift. It's December in advance. They have a gift. I hope she didn't have gift for Christmas this year, because she already have it. Wow. On a question. Catherine, tu penses à cette question? Je pense à un autre, je vais y revenir parce que je t'aime. Est-ce qu'il y aurait une clause de rematch? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? La clause de rematch, c'était la championne. Le rematch aurait été si on l'avait détrôné, mais on était l'aspirante obligatoire, donc non, on n'a pas de notre côté. J'ai entendu tout ce que vous avez dit, je me fais l'avocat du diable. Il y a Roussel, il y a l'autre juge aussi qui a donné 96-94. Clairement, c'est pas tout le monde qui... Y a-t-il des rounds avec le recul, peut-être, qui vous fait dire, ben, peut-être que ceux-là, on les a échappés ou pas du tout? Moi, j'ai jamais pensé qu'on perdait ce combat-là. Jamais. Non, moi non plus. Puis le 10e, c'était comme la confirmation. Tu sais, si on jouait à un round près, là, moi, le 10e, ça faisait comme la conclusion de ce qu'on a vu dans le combat. Dans ce moment-là, aviez-vous l'impression, dans le 10e, que Bermudez boxait comme une...
boxeuse qui sait qu'elle a besoin d'un knockout. Bien, on l'a même dit, ça se peut qu'elle nous rentre dedans, qu'elle fonce, tu sais, qu'elle va tout... Elle essayait de me knocker avec sa main arrière. Elle va rentrer dedans. Puis nous, l'avantage, c'est oui, rentre-nous dedans, parce que c'est ça qu'on veut. Mais... J'ai été patiente dans ce combat-là, puis je vais le regarder, tu sais, c'est frais fait, je vais le revisionner. I will watch it again. Mais les coups les plus clean, je suis certaine que c'est moi qui les ai donnés. Daniel, Stéphane m'ont dit, on a tellement pratiqué, chin down. J'ai eu mon menton ici toute la soirée. Ma tête, elle n'a jamais fait ça une fois. Elle, j'ai réussi à lui lever souvent. La tête souvent, avec mon jab, avec ma main droite, avec mon crochet de gauche, avec mon crochet de droite. Un petit up jab. Oui. D'accord. Jean-François, une question, s'il te plaît. Oui, je sais que c'est pas encore tout chaud et que le ressentiment est très fort, mais est-ce que vous entrevoyez une façon de canaliser ça pour repartir, rebâtir? Comment est-ce que vous voyez la suite? Bien, pour l'instant, c'est très difficile. Tu sais, ça, il faut que ça se digère. Il n'y a rien à rebâtir. La maison est belle. C'est comme, là, on est comme, il va falloir qu'on digère, là, parce que c'est pas passé encore. C'est une grosse indigestion, puis ça se guérit pas comme ça. Là, je vais prendre un bon 2 semaines en dehors du gym. On va toujours souper en équipe, on va réfléchir, mais c'est sûr que c'est pas fini. Je suis de calibre mondial. Je suis une championne du monde. Ce soir, j'ai la capacité d'aller unifier les titres, j'en suis certaine. Je suis de ce niveau-là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, j'ai pas plafonné. J'ai fait un combat hyper intelligent. Et il n'existe aucun recours ni auprès de l'IBF ou de la WBO. Ce qui pourrait arriver, il va y avoir des rematchs, des choses comme ça. Il ne se passe jamais rien, c'est comme ça. Et bon, as-tu l'impression que une décision comme celle-ci, ça nuit au développement de la boxe? La boxe va survivre. On a déjà survécu des choses pires que ça. On va trouver d'autres plans. J'ose croire, comme Daniel a dit, que c'était un mauvais jugement. J'ose croire que c'est ça. Mais c'est très décevant. C'est très décevant. T'espères que c'est un mauvais jugement, mais en même temps... Attends, tiens ta question, Danick. En fait, Kim, c'est drôle à dire, mais malgré la défaite, serais-tu prête à dire que c'était un de tes plus beaux combats en carrière? Techniquement, assurément. Le plus intelligent. J'ai des mini-marques dans le visage, je ne suis même pas maganée, j'ai mal nulle part. J'étais pas fatiguée, l'énergie était bonne. J'étais en contrôle. J'ai écouté mon coin. J'ai utilisé le grand ring. C'est sûr que c'était pas parfait, mais pour moi, ça frôlait la perfection dans ce que je suis capable de faire. Puis, c'est comme ça. J'ai déjà eu un chum qui m'a trompé, puis ça a fait moins mal qu'en ce moment. Bon, tu disais à l'instant que tu espères que c'est un mauvais jugement, mais en même temps, tu l'as dit en ouverture, tu ne voulais pas de Roussel. Tu sais, puis on ne demandait pas, j'ai pas demandé de choisir les juges. J'ai juste demandé courtoisement, pouvez-vous promettre lui, s'il vous plaît? Alors, on ne voulait pas qu'il ait pas sa licence. On a juste ce combat-là, s'il vous plaît, mettez pas lui. Puis c'est lui qu'on nous a mis. Peux-tu nous expliquer la source de tes appréhensions? Ça fait longtemps. Ben là, on avait vraiment fait notre travail. Puis, celui qui fait le plus de statistiques chez nous, c'est Bernard. Puis Bernard m'avait bien averti de faire attention. Il ne fallait absolument pas que lui soit là. On en avait... J'ai fait appel à la régie quand... puis je leur ai dit... Il faut qu'on se rende service tout le monde. On ne veut pas aller publiquement pour dire qu'on ne voulait pas lui.
On ne veut pas y faire du tort. On veut juste que vous le tassiez. Puis mettez qui vous voulez là-dedans. Mais malgré ça, puis encore, tu sais, c'était serré. C'était vraiment serré, le combat de Marie-Pierre. Mais quand même, tu sais, les bénéfices du doute, on n'a rien. Tu sais, on a deux juges qui arrivent par deux points, puis lui, il arrive égal. Le dernier combat de Kim contre Reyes, il est arrivé 96-94, le juge le plus serré, dans un combat où c'était pas serré de même. Donc, puis il y avait d'autres historiques que vous avez juste à aller voir vous-même. Puis, donc, encore une fois, on ne demandait pas la mer à boire, on demandait juste d'avoir, qu'on s'aide tout le monde, qu'on ne se retrouve pas dans cette situation aujourd'hui. S'il avait changé, puis ça avait été, je ne sais pas, un autre juge, puis qu'il y aurait eu ce pointage-là, on aurait dit, ben là, s'il l'a vu comme ça. Mais là, dans le cas présent, on a demandé spécifiquement. Là, le Stéphane, il me dit, quand j'ai dit ça, là, je voulais brasser davantage pour même peut-être aller publiquement. Puis il m'a dit, mais fais pas ça. T'sais, là, ça peut se retourner contre nous. T'sais. Il faut pas... fait que... Ouais. Il aurait fallu qu'on aille puis qu'on dise, mais c'est... Il n'y a pas de gala, c'est ça. De faire pression à nos organismes. Ah oui, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que les organismes vont vous dire? Hey, c'est votre juge qui l'a donné à l'autre. Votre juge l'a donné à l'autre, donc dites-nous pas qu'elle s'est fait voler. Parce que dans la majorité, la très grande majorité des endroits, il y a les bénéfices du doute sont au local. Juste le bénéfice du doute. C'est quand c'est serré, puis là, tu n'es pas certain, tu vas donner au local, mais lui, c'est pas ça qu'il fait. Puis on savait. Je pense que ça prend du recul. Je pense que ça prend du recul. Tu sais, nous, comme Clem l'a dit, on va le regarder encore une fois et plusieurs fois le combat. On va l'analyser. Puis, tu sais, les gens, là, les gens qui sont venus voir Kim, les tapes dans le dos qu'on nous dit, puis c'est comme un petit baume. Ça ne donnera pas la ceinture. Mais quand tout le monde te dit, ah, vous aviez ce combat-là, vous aviez gagné, puis quand ça sonne, puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça, c'est comme le petit bombe présentement, puis demain, puis encore, puis ça va débouler encore les gens qui vont encourager Kim. Et je pense que ça va aider à passer au travers. Puis c'est certain que quand on vit une affaire comme ça, Kim, on a le goût de tout lâcher, c'est sûr, c'est certain. Imaginez le temps, l'investissement, l'argent, tout ce qu'il y a derrière ça, puis on ne donne pas le crédit pour tout le travail que tu as accompli. Donc, comme je disais tantôt, bien, il va falloir le digérer comme il faut. Il va falloir que les gens qui nous aiment, qui nous encouragent, qui nous ont toujours encouragés, soient encore derrière nous. Puis parfois, ça nous donne l'élan, la vague qui va nous faire nous propulser vers l'avant encore mieux. Mais... C'est ça, ça va être un jour à la fois. Un jour à la fois. Puis je pense, cette semaine, c'était probablement ma plus belle semaine avant un combat. J'étais mature, j'étais organisée, j'étais en contrôle de mes émotions. À soir, j'ai boxé pour moi. J'entendais même pas la foule, j'étais dans ma bulle, dans mon dôme, comme je vous ai expliqué toute la semaine. J'ai travaillé, ça fait 6 mois, avec Daniel, avec Stéphane, avec Yvon, avec tout le monde en préparation mentale pour mettre tous les outils de mon bord. Ce soir, j'étais une Kim préparée, une Kim forte mentalement, forte physiquement. Puis j'ai essayé de contrôler tout ce que je pouvais contrôler, mais je ne pouvais pas contrôler Benoît Roussel. En,
faire des défenses optionnelles. Elle va se battre contre Sarah Borman bientôt. On l'a Bermudez, probablement elle va s'en retourner chez elle, puis ça ne tentera pas de réaffronter Kim tout de suite, parce que probablement que dans son fort intérieur, elle va se revoir, elle va voir qu'elle a perdu. La suite des choses, on retourne au gym dans 2 semaines, que tu disais, Kim? Prendre une pause, ça ne veut pas dire retourner dans le gym. Ouais. Non, mais attends, prendre une petite pause. Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager, vu que ça va peut-être être bloqué à 108 livres, de monter à 112, puis peut-être de viser une fille comme Bautista, par exemple, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est une possibilité envisageable? Juste, on va parler. Moi, je suis capable de faire 105, 108, 112. Un championnat du monde, mettons. Définitivement. Paris. C'est bon. Merci. Merci à tous. Merci, Kim. Merci. Merci. Merci, Daniel. Merci.